Mon œil, maintenant, il regarde à la fois le mouvement, mais l'espace. J'aime beaucoup... En fait, j'aime l'architecture, j'aime les espaces créés par la lumière. Puis ça, ça va très bien avec la chorégraphie. C'est la danse qui m'a trouvée, mais je l'aimais déjà. Je l'aimais aussitôt que je l'ai vue, finalement. La danse est venue me chercher, j'ai beaucoup de chance. Quand j'ai rencontré Édouard puis que j'ai vu son travail à lui, c'est comme si ça réouvrait les portes. Temporairement, j'ai même oublié la technique. Je me suis dit, il faut que j'oublie ce que j'ai appris. Il faut que je retourne à quelque chose de plus ouvert. Où est-ce que le corps se lie avec l'espace? Ce qui me fait peur m'attire, parce que ça nous garde vivants, sur le qui-vive. Puis on se découvre autrement à chaque fois qu'on fait un nouveau pas vers quelque chose qui est insécurisant. C'est mon plus grand plaisir d'être une débutante. Fait que ça, je veux pas le perdre jamais. De savoir que tout est à découvrir encore. Le track va me faire commencer une chose autrement. J'ai tout pourtant répété, ça devrait être nickel. Puis je pars sur autre chose. Parce que je dois être dans le moment présent. Puis ça, c'est épeurant, puis c'est beau. C'est vertigineux, mais finalement, on devient addict à ce vertige aussi. Ce que j'aime le plus, c'est la découverte, l'inconnu, comment les choses vont s'assembler. C'est magique. Il peut ne rien avoir, il peut ne pas avoir de spectacle. Tout s'assemble tout à coup, parce que tout le monde veut que quelque chose arrive. Il y a la mémoire maintenant, la mémoire de toutes ces années, toutes ces choses que j'ai faites. Le corps a tout vécu, cette expérience. C'est imprimé dans le temps, dans l'espace. Mais peut-être justement parce que ça s'accumule, le corps, il y a encore plus de possibilités. Plus ça va, plus il y a de liberté. Ouais.
choisir entre le corps et l'esprit, impossible de choisir. Une chose qui domine, c'est l'esprit qui fait danser. Alors je dirais l'esprit. En douter et croire, douter. Savoir ou apprendre, apprendre. Apprendre, apprendre, c'est sûr. S'enraciner ou s'envoler sont faciles. C'est sûr que c'est s'envoler. Mais est-ce que s'enraciner ou s'envoler, là, il faut vraiment les deux. Il faut vraiment les deux. S'enraciner pour s'envoler, s'enraciner.